Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux, que ça se passe mieux, on peut dire, dans votre vie, en tout cas pour aujourd'hui. Donc, je vais prendre mon petit sac. Donc, c'est ton ange te parle. Donc, voilà. Donc là, pour une femme, tu ne sais pas qui tu es, ou il ne sait pas qui il est. Donc peut-être que tu es en contact avec un homme que tu ne connais pas finalement. Donc en fait, dire ton ange te demande, on peut dire, de le réceptionner. Donc il peut s'agir de sanctions aussi. Réceptionner quelque chose pour une femme qui peut être une sanction. Voilà. Ensuite, pour les hommes, ne fais pas confiance à n'importe qui ou ne va pas n'importe où. Ensuite, donc là, on peut dire qu'il y a une femme dans la situation qui veut entreprendre quelque chose. Par rapport à quelqu'un que visiblement vous ne savez pas qui il est. Donc dans la situation, on peut dire un homme et une femme on peut dire réceptionner quelque chose. Ça peut être aussi, je vous dis, une sanction. Et nous avons le Bouddha qui est assis sous l'arbre. Et donc pour certaines ou certains d'entre vous, vous allez réceptionner votre âme. Voilà, parce que vous allez être dans la méditation. Il s'agit d'illumination pour aujourd'hui. Donc je vous avais dit qu'il y a des choses très lumineuses qui arrivent. Donc pour un homme, je suis ton moi supérieur. Il s'agit aussi de mettre le serpent en fuite. Donc il s'agit de mettre vos dépendances, on peut dire, de côté. Ou il peut s'agir aussi d'un homme qui est en train de fuir. Et donc là, pour les femmes... mais ça peut être aussi pour les hommes qui sont féminins, tout le monde en esclavage avec zéro salaire. Ça veut dire que là, l'esclavage, il faut comprendre dans un autre contexte, c'est-à-dire c'est l'esclavage de toutes vos dépendances. Et donc vous allez entreprendre quelque chose aussi pour vous libérer justement de ces dépendances sentimentales, de ces dépendances peut-être à l'alcool, à la drogue. Peut-être à la sexualité, si vous êtes un homme ou une femme, et vous vous rendez compte qu'on peut dire vos dépendances ne vous ont rien apporté. Donc voilà, par rapport, on peut dire, à quelque chose que vous ne savez pas, ou quelque chose que vous n'avez pas su voir, peut-être, si vous êtes une femme, par rapport à un homme. Donc ça peut être ça aussi, ok. Je vais en rajouter deux autres pour mettre... que ça fasse le compte. Donc là, dans la situation, ce que tu comprends, c'est qu'il y a un double langage, ou ça peut être du doublage. En tout cas, on peut dire qu'il y a des personnes autour de vous qui parlent deux langues ou plusieurs langues, qui vous disent une chose et puis en fait ils font une autre chose. Et donc pour un homme, il y a, on peut dire, une personne qui pense à ta place. Il s'agit, on peut dire, de toutes les croyances erronées que vous avez aussi. Et donc pour les hommes et pour les femmes, on peut dire que ce que vous traversez, c'est une expérience de vie. Voilà, et c'est pour réceptionner, on peut dire, qui vous êtes. C'est pour réceptionner votre âme. Et pour d'autres, évidemment, la sanction, c'est directement lié, on peut dire, à Dieu, à Hachem. C'est réceptionner, on peut dire, un karma aussi, qui peut être difficile. Alors, je vais prendre mes numéros, comme vous le savez. Donc là, ce qui arrive, je veux dire, c'est quelque chose qui peut arriver avec force. Ça peut être aussi des gens, on peut dire, qui vont reprendre un certain pouvoir. Ok. Attendez, je vais un petit peu baisser ma musique. Parce que là, c'est un peu trop.
Donc pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, vous pouvez évidemment regarder la vidéo précédente, voilà, qui visiblement a été, on peut dire, assez impactante. Allez, pour une femme, donc là, vous tournez, on peut dire, dans votre karma, avec un 8 inversé, donc on peut dire dans la situation, c'est très déséquilibré, il peut s'agir de personnes qui peuvent avoir, on peut dire, des dettes, des pertes financières ou des pertes, on peut dire, voilà, affectives. Donc c'est par rapport, on peut dire, à une femme. Voilà, une femme peut-être qui vous a menti ou une femme, je veux dire, qui n'a pas été correcte avec vous. Donc là, effectivement, pour une femme, on peut dire que tout s'écroule dans la situation, hein, avec un 4 inversé. Vous ne pouvez pas avancer. Donc là, dans une situation, pour un homme, on va faire volte-face. D'accord ? Mais ça peut être aussi pour une femme. Voilà, vous faites volte-face parce que vous comprenez, on peut dire, vous réceptionnez soit une information, soit ça peut être une sanction. C'est par rapport, on peut dire, à plusieurs téléphones, donc plusieurs appels, on peut dire, par rapport à un homme aussi. Quelqu'un que l'on peut mettre en fuite, hein, aussi, ou quelqu'un qui s'enfuit. Hein. Voilà, on vous dit de ne pas faire confiance, hein, si vous êtes un homme. Voilà, pas faire confiance peut-être. Attendez, on va voir un peu plus. Oui, j'ai beaucoup de téléphones, hein, pour un homme. Et je veux dire, ça chauffe. Ça chauffe, on peut dire, pour un homme, entre deux personnes. Ça peut être un homme et une femme ou deux hommes ou deux femmes. Et là, dans la situation, on change complètement, on peut dire, sa façon de voir, sa façon de penser. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a, on peut dire, un éclaircissement. On a un éclaircissement sur, on peut dire, pour une femme ou par rapport à une femme, sur quelque chose qui est complètement déséquilibré. Hein. Voilà, c'est une femme qui a perdu, on peut dire, beaucoup d'argent aussi, ou je veux dire, vous avez perdu, par exemple, des relations sentimentales. Et donc, on peut dire que dans la situation, au niveau du cœur, pour une femme, c'est complètement bloqué parce que vous voyez clair. C'est par rapport au fait de vouloir entreprendre quelque chose. Pour d'autres, vous avez, on peut dire, quelqu'un, je veux dire, qui vous a appelé. Et je veux dire, vous ne savez pas, on peut dire, ce qui se trame. Hein, ça peut être ça aussi. Par rapport à quelqu'un qui essaye d'entreprendre quelque chose aussi par rapport à une femme. Et donc là, nous avons le 1 inversé. Donc là, il s'agit de personnes, on peut dire, qui sont beaucoup dans les dépendances. Voilà, vous êtes dépendante peut-être de quelqu'un ou d'une situation. Et donc là, je veux dire, là, on est vraiment sur les croyances erronées. Hein. Donc là, effectivement, dans la situation, que vous soyez un homme ou une femme, bon ben voilà, il y a de nouveau, on peut dire de la communication qui va vous permettre d'avancer ou de la communication qui va vous permettre d'avoir un éclaircissement sur, on peut dire, vraiment quelque chose qui se transforme ou quelqu'un fait volte-face. Alors moi, ce que je sens, si vous voulez, c'est, je veux dire, on laisse une femme, je veux dire, au fond de sa poubelle, hein, je veux dire, et puis tout le monde s'en va. Enfin, je sais pas s'il y a un truc comme ça. Donc là, on a, on peut dire, quelqu'un, on peut dire, qui ne parle pas. C'est un homme qui ne parle pas. Par rapport, on peut dire, à plusieurs, on peut dire, coups de téléphone. Et donc, il y a quelqu'un qui fait une pause et après, on peut dire, il va y avoir, je veux dire, dans de la communication par rapport à des gens, je veux dire, qui sont très silencieux, il va y avoir un changement, on peut dire, voilà, il va y avoir un changement, une décision, on peut dire, par rapport aussi à de la communication qui peut être, je veux dire, très forte. Donc là, vous changez de perspective. Et je veux dire,
vous changez aussi parce que vous vous rendez compte, je veux dire que tout s'écroule. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai 2-4 inversés. Donc, je veux dire, c'est là, il faut passer par une porte, mais je veux dire, bon, il y a des gens qui se bloquent, soit, je veux dire, qui veulent passer, peut-être, voilà, qui fuient. Et donc là, j'ai du côté des femmes quelqu'un, je veux dire, qui se bloque au niveau de son chakra du cœur, parce que vous comprenez la situation, d'accord. Donc voilà, il y a vraiment, je veux dire, une situation, on peut dire, d'enlisement. Et dans la situation, on revient à zéro par rapport, on peut dire aussi, à des modes de communication. Donc là, c'est par rapport à une femme aussi. Voilà, c'est... Il y a un très grand éclaircissement, on peut dire, pour une femme. Voilà, qui voulait peut-être entreprendre quelque chose. Et là, derrière, nous avons une communication du cœur. Donc, pour une femme. Quelqu'un qui était beaucoup dans ses émotions aussi. Bon, là, il y a des gens qui perdent beaucoup de choses. Et donc, pour un homme ou pour une femme, par rapport, on peut dire, à une communication, il y a un blocage. Donc, il y a des gens, on peut dire, qui ne disent rien. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont un double langage aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez très attention. Voilà. Des gens qui sont un peu des serpents. Hein. Donc là, du côté des hommes, nous avons donc le chakra du cœur par rapport à plusieurs communications. Voilà, donc par rapport aussi à un homme qui est dans le silence. Et là, je veux dire, au niveau du cœur, ça revient à zéro. Après, on peut dire un gros blocage au niveau des actions. Et là, il y a un homme qui voit clair. Par rapport, en tout cas, à un message. Un message qui est très, je veux dire, un message qui est lié peut-être à l'hérédité aussi. Ou ça peut être lié à la famille. Et... c'est quelqu'un qui change, on peut dire, de vision aussi. Et donc là, en tout cas, pour les hommes, je veux dire, c'est une naissance. Hein. Là, je sais pas, il y a quelque chose que vous comprenez dans une situation par rapport, on peut dire, à quelque chose qui commence ou à une renaissance. Voilà. Voilà, ne fais pas confiance à n'importe qui ou ne va pas n'importe où. Hein. Je suis ton moi supérieur. Il s'agit d'un message, en tout cas mon petit sac, c'est ça, c'est le message de l'ange. Et donc là, nous avons un 4 de bâton inversé. Donc on peut dire pour un homme ou pour une femme, enfin je veux dire, soit il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, soit, je veux dire, vous comprenez des choses par rapport à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Voilà, vous étiez un peu en esclavage. Si vous êtes une femme, on peut dire, voilà, pour travailler peut-être dans une situation. Et l'effondrement, c'est par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé au niveau du cœur. Et aussi par rapport, on peut dire... à des personnes qui ont voulu avancer ou qui ont voulu trancher dans une situation ou par rapport à une action qui a été faite dans le passé. Là, nous avons toujours des gens qui sont très silencieux, des gens qui vont bloquer beaucoup d'actions, on peut dire, dans la matière où, je veux dire, vous vous entendez plus avec votre famille. Et c'est par rapport, on peut dire, à deux personnes hein, qui ont pu, évidemment, se séparer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mes cartes. Voilà. Et c'est toujours par rapport, on peut dire, au cœur et par rapport, on peut dire, à des personnes du passé. Et on peut dire que dans la situation, je veux dire, bon, alors il y a peut-être des histoires de justice aussi. Voilà, et c'est toujours lié, on peut dire, ces actions par rapport, on peut dire, à plusieurs personnes ou par rapport à des réseaux de télécommunication aussi. Voilà, alors je vais tirer 2 cartes. Attendez, je vais prendre ça. Hop.
Il y a quelqu'un, si vous êtes une femme, qui veut vous prendre quelque chose ou qui veut entreprendre quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, ne fonctionne qu'à travers des relations de sauveur-sauvé ou de tyran-rebelle. Et ça peut être aussi un homme qui vous a soumis. Donc là, nous avons avec Moïse. Bon, bah, écoutez, là, il va falloir couper la mer en deux ou en douze. Prenez les choses en main dans votre vie, hein, si vous êtes une femme. Là, vraiment, je veux dire, là, il faut se lever, hein, mes amis. Hein. Là, il faut se lever. Hein. Voilà, il y a des femmes qui vont entreprendre quelque chose parce qu'on peut dire que la situation est très, très déséquilibrée. Ou, je veux dire, vous avez des dettes, dans votre vie, c'est la banqueroute. Voilà. Bon, et pour certaines, c'est par rapport aussi à un homme. Hein. Il ne sait pas qui il est. Et donc, pour les hommes, donc là, on est des personnes qui vont se retirer, hein, qui vont partir, on peut dire, d'une situation. C'est pour ça que j'ai le serpent en fuite. Il s'agit de l'homme vert. Et pour d'autres, eh bien, vous allez, on peut dire, voilà, vous allez vous mettre au vert. Oui, il y a quelqu'un qui se met au vert, là. Et là, pour les hommes et pour les femmes, vous avez utilisé votre magie. Utilisez votre magie pour tout reconstruire, hein, puisqu'on a un 4 inversé. Voilà, ouais. Il faut vous protéger, hein. Moi, c'est ce que je vous dis dans la situation. Hein. Protégez-vous. Voilà, ne faites pas confiance, on peut dire, à n'importe qui. Voilà, il y a peut-être... Parce que hier, j'avais quand même l'arnaque. Bon, je continue. Dans la situation, je veux dire, il y a des gens qui font volte-face. Hein. Il y a des gens qui comprennent des choses. Donc, je vous ai mis la petite carte blanche pour les femmes. Donc, c'est un grand éclaircissement dans la situation. OK. Et pour les hommes, c'est, on peut dire, une harmonisation des chakras. Voilà, quelqu'un qui reçoit, on peut dire, ou qui est en réception d'informations quantiques, d'informations, on peut dire, du divin. Donc là, dans la situation, nous avons une reine de deniers. Donc, il s'agit d'une commerçante, d'une personne, on peut dire, qui manipule l'argent, une personne qui est dans la matière, voilà, une personne qui a des biens. Donc vous étiez peut-être en esclavage dans vos dépendances peut-être liées à l'argent ou ça peut être aussi des dépendances par rapport, on peut dire, à une entreprise ou des entreprises. Donc là, dans la situation, il y a quelque chose que vous ne prenez pas. Voilà, il y a quelque chose, on peut dire, dont vous ne voulez plus. Voilà, parce que vous avez été échaudé. Et ce que vous ne prenez plus, ce sont les illusions. Voilà. Bon, il y a quelqu'un, je veux dire, qui quitte, on peut dire, une situation. Hein, c'est une femme. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez entreprendre quelque chose de différent parce que vous ne voulez plus être dans les illusions. Hein, sinon, je n'aurais pas le 4 de coupe. Hein. Donc là, nous avons un 2 d'épée. Hein, donc on peut dire sur l'expérience de vie, la compréhension, la connaissance de soi. Bon, bah écoutez, on est beaucoup dans la dualité du mental. Voilà, vous êtes beaucoup dans votre mental. C'est un double langage dans votre tête. Hein, c'est très, très compliqué. Et donc là, je veux dire, réceptionnez votre énergie, votre lumière, je veux dire, pour certains ou pour certaines, ça va être des sanctions pour vous permettre, on peut dire, une compréhension de votre expérience de vie, pour, on peut dire, vous rendre responsable aussi, parce qu'il y a des gens, je veux dire, qui fuient, voilà, qui ne savent pas qui ils sont. Et donc, pour un homme, c'est par rapport, on peut dire, à un jugement ou par rapport, on peut dire, à une décision. Voilà. Donc, on peut dire que par rapport, on peut dire, à des relations sentimentales pour un homme, on peut dire qu'une personne a pensé à ta place. On va écouter chez le 10 de bâton. Donc, il peut s'agir, on peut dire, d'une situation qui s'arrête très, très rapidement.
Et il peut s'agir aussi d'une personne, on peut dire, d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, puisque c'est du bâton. C'est par rapport, on peut dire, à un projet qui arrive. Donc là, on peut dire que sur un projet, je veux dire, ça va faire stop tout de suite. Ça peut être aussi un contrat. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on reçoit évidemment le divin. Voilà, vous recevez, on peut dire, une compréhension instantanée. On l'avait déjà, cette carte. C'est le Bouddha, hein. C'est quelqu'un qui est assis et qui reçoit l'illumination, hein. Par rapport peut-être aussi à une sanction, hein. Allez. Donc là, pour les femmes, je veux dire, faut que vous soyez Moïse, hein. Enfin, je veux dire, il faut que vous sortiez, je veux dire, de la domination de Pharaon. Ok? Il faut que vous sortiez de vos conditionnements sociaux et familiaux. Là, il faut que vous vous réinventiez, hein. Ouais, effectivement, j'ai une impératrice inversée sur une reine de denier. Donc là, on peut dire que c'est par rapport à une femme. C'est par rapport à une femme que cette histoire, on peut dire, arrive. Une personne, on peut dire, qui a perdu aussi beaucoup d'argent, hein, qui a perdu son abondance. Et là, vous êtes à la croisée des chemins si vous êtes une femme. Vous avez un choix à faire. Par rapport à quelqu'un qui a perdu, enfin, je veux dire, vous êtes dans les dettes, vous avez perdu beaucoup d'argent, ou je veux dire, vous avez perdu l'amour de votre vie. Voilà, ça peut être ça. Parce que vous étiez dans les illusions. Donc là, nous avons un set de bâtons inversés. Donc là, on peut dire, on va quitter une situation d'illusion et en même temps. C'est des personnes qui vont, voilà, peut-être qui se protègent ou qui se sont protégées, on peut dire, dans le passé. Enfin bon, c'est quand même une situation enlisée, hein, là, ce que je décris. Quelque chose, je veux dire, qui est très lourd, hein. Et c'est par rapport, on peut dire, à un roi d'épée inversé. Donc c'est par rapport à un manipulateur. Ou ça peut être aussi, évidemment, si vous êtes un homme, une manipulatrice. Et c'est une expérience de vie, hein. Là, vous recevez, on peut dire, la sanction par rapport à quelqu'un, je veux dire, qui était un pervers narcissique si vous êtes une femme. Bon, là, j'ai plutôt un homme, hein. Voilà. Ou si vous êtes un homme, ça peut être aussi un autre homme, hein. Donc là, nous avons toujours le valet de bâton inversé. Donc, par rapport à un homme, bon, bah écoutez. Il y a une personne plus jeune que vous qui vous a fait croire des choses qui étaient fausses, voilà, ou des gens tout simplement qui vous ont mis dans la tristesse. C'est aussi une personne plus jeune que vous qui peut être d'origine étrangère ou voilà, quelqu'un qui vit à l'étranger. Et c'est par rapport, on peut dire, à un roi de denier. Là, le roi de denier, je veux dire, il s'arrête. Hein. Il s'arrête. Hein. Alors, le. Si vous êtes un homme, je veux dire, il y a une personne qui a pensé à votre place. Voilà. Donc, ou ça peut être aussi, je veux dire, un roi d'épée, valet de bâton, deux personnes, on peut dire, qui vous ont raconté des salades, homme ou femme. Par rapport, on peut dire aussi à un projet. Par rapport aussi, peut-être quelqu'un qui voulait entreprendre quelque chose. Des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc là, nous avons un valet de bâton inversé. Donc, dans la situation, le valet de bâton et le roi de bâton, donc il s'agit de plusieurs personnes pour un homme. Hein, je veux dire, sur une histoire, on peut dire, de décision amoureuse ou ça peut être évidemment des contrats. Voilà, ça peut être des contrats et bon, ce que je peux vous dire, le valet de bâton inversé, enfin, c'est des gens qui vous ont séduit ou séduite, hein. Et surtout parce que vous étiez, on peut dire, vous étiez dans l'argent, voilà, ou je veux dire, vous travaillez peut-être dans une banque ou dans une entreprise qui fait beaucoup d'argent. Et donc là, effectivement, nous avons du côté des hommes, on a une dualité entre le roi de denier et le roi de cœur. Ouais.
Donc là, ce qu'on peut dire, si vous êtes une femme, c'est que vous aviez deux hommes par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un pax, ça peut être... voilà. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en fuite. C'est un valet de bâton inversé. C'est quelqu'un qui peut être très, très, très beau, voilà. Et là, puisque je suis ton moi supérieur, ça pouvait être un homme qui était vraiment beaucoup dans la matérialité et en même temps, ça peut être aussi... Moi, ce que je sens, c'est des gens qui sont beaucoup dans les émotions. Ou c'est une personne, puisque je l'ai juste à côté du valet de bâton à l'envers. Vous voyez, j'ai ces deux cartes inversées. OK. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a énormément séduit, on peut dire, sur les sentiments. Alors qu'en vérité, je veux dire, c'est un homme qui était beaucoup, on peut dire, dans la représentation sociale ou... beaucoup dans le côté matériel. Et là, je veux dire, on peut dire, une histoire d'amour, ça s'arrête. Hein. Ouais, parce que là, je veux dire, ça se rééquilibre, c'est la justice. Pour les femmes, donc là, on a un œuf de bâton sur, on peut dire, une impératrice. Donc, par rapport au passé, on peut dire que vous avez perdu beaucoup d'abondance. Hein, voilà, donc là, vous êtes bloqué. On a un as de coupe qui arrive plus tard, parce que là, il faut que vous preniez une décision. Vous avez deux chemins. Et l'un des chemins, c'est toujours les illusions. Donc là, il faut savoir qui on est. Et pour certaines, je veux dire, c'est lié, on peut dire, au passé, hein, avec un 6 de coupe inversé. Donc on peut dire que dans une situation que vous connaissez ou avec des gens que vous connaissez très bien, voilà, alors le 6 de coupe, c'est aussi les enfants, donc ça peut être aussi les enfants qui partent ou une situation du passé quand vous étiez jeune, voilà, ou des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Et là, je veux dire, ça concerne des gens qui peuvent être aussi dans le mensonge, hein, des gens qui ont menti, hein, qui vous ont menti, hein, par rapport, on peut dire, à des entreprises ou... voilà, des gens qui voulaient vous dominer. Et donc, en dos de deck, j'ai la justice. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a réceptionne-moi, il s'agit de lumière. Et c'est par rapport à une sanction. Pour certains ou pour certaines, j'ai un 4 inversé. Donc, dans la matière, je veux dire, il y a un écroulement. Il y a un écroulement, je veux dire, avec sur des histoires, on peut dire, d'argent... de dette ou de sentiment. Mais moi, ce que je sens, si vous voulez, si vous êtes une femme, je sens que, je veux dire, quelqu'un s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la manipulation, beaucoup dans la dualité du mental. Quelqu'un qui pouvait avoir un double langage. Et c'est par rapport, on peut dire, à une union. Hein. C'est quelqu'un qui vous a raconté, peut-être qui voulait faire sa vie avec vous, ce genre de choses. Alors sinon, ça peut être aussi par rapport à un petit projet, mais là, je veux dire, les choses s'arrêtent. Parce que là, enfin, je veux dire, il y a comme une grande battle. Hein. Alors, je vais prendre mon petit jeu. Donc, je le répète, c'est un jeu, alors il y a énormément de cartes. C'est un jeu que j'ai fait pour mes abonnés. Et donc voilà, donc c'est intéressant parce que on peut donner, on peut dire, des informations. Donc pour une reine de denier, pour une femme, on peut dire, qui est une commerçante, hein, ou je veux dire une femme qui a de l'argent, vous répétez un problème karmique parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Hein, il faut faire un travail, on peut dire, d'introspection. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes retombé peut-être dans une situation karmique liée à l'argent, liée à la finance, liée au commerce, voilà. Par rapport au fait que vous vouliez entreprendre quelque chose.
Donc là, visiblement, dans la situation de laisser passer, on peut dire, on va dire une action ou je veux dire quelqu'un. Bon, c'est par rapport à un ex qui revient pour certaines. Bon bah écoutez, je veux dire, c'est la giclée d'aérosol dans le visage. C'est-à-dire que vous allez énormément pleurer. Voilà, par rapport à des illusions. Hein. Et pour d'autres, c'est par rapport, je veux dire, c'est par rapport à un secret sur une naissance. Donc, les illusions pour une femme, bon, bah écoutez, vous étiez dans un plan machiavélique. Voilà, vous étiez entouré de gens qui vous ont complètement manipulé. Voilà, des gens qui vous ont volé. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça. Et là, il va y avoir, on peut dire, une grande clarté. Voilà, le vent se lève. Et donc là, on peut dire qu'un événement, on peut dire, se rejoue dans votre vie. Par rapport, on peut dire aussi, à un homme qui vous manipule. Donc là, je veux dire, il faut comprendre ce qui se passe. Bon, là, de toute façon, vous allez être illuminé, je veux dire, par le Bouddha. Attendez, je sais plus de carte, là. Donc là, par rapport à l'amoureux, hein, donc il s'agit, on peut dire, de séparation et d'infidélité. Voilà, donc si vous rencontrez quelqu'un, bon, bah, écoutez, faites attention. Bon, là, visiblement, dans la situation, je veux dire, c'est le typhon hein, qui arrive, hein, le vent se lève. Hein. Donc, le 10 de bâton, c'est par rapport à un homme qui a les yeux bleus. Donc, ça peut être aussi un contrat de mariage, ça peut être un pax sur de l'infidélité. Et là, j'ai, je veux dire, une personne qui arrive, je veux dire, ça sent la rose. Mais en réalité, si cette personne vient de l'étranger, je veux dire, c'est le purin. Voilà. Et la personne qui vient de l'étranger, je veux dire, c'est un homme aux yeux marrons. OK. Ensuite, donc là, pour une impératrice, pour une femme qui a perdu, on peut dire, son abondance, son argent. Bon, bah écoute, tu vas aller à la mairie. Tu vas aller à la mairie pour une union charnelle et spirituelle. Je veux dire, même si tu n'as plus d'argent ou je veux dire, même si tu as des problèmes avec, je veux dire, ta matière, ton argent. Et c'est par rapport, on peut dire, à des inquisitions ou de l'ingérence. C'est par rapport, pour certaines, à de la justice et aux tribunaux. Je veux dire, ça va t'emmener direct à la mairie. Donc là, pour une femme, bon, bah, on vous a bloqué, on peut dire, sans explication. Hein, c'est-à-dire que là, dans une situation, tout est bloqué. Voilà, et c'est par rapport à de la délation. Hein. Donc, il y a peut-être des gens autour de vous, femmes ou hommes, je veux dire. Voilà. Et c'est toujours par rapport à des gens qui vous espionnent, si vous êtes une femme, ou c'est par rapport à des réseaux sociaux, ou ça peut être aussi des réseaux, on peut dire, multilangues. Hein. Donc là, méfiez-vous, ne faites pas confiance à n'importe qui ou n'allez pas n'importe où. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Donc le plan machiavélique, bon, c'est par rapport à une échappée. Ouais. C'est par rapport à une échappée ou c'est par rapport à un déplacement. C'est par rapport à un week-end. Voilà, vous prenez votre voiture, hein, par exemple, hein, quelqu'un se déplace. Ou ça peut être aussi, je veux dire, des informations, hein, des informations peut-être par mail. Donc pour un homme, bon ben, ton corps te dit ce que ta bouche t'est. Donc ce sont des gens qui sont, qui ont très très peur, si vous êtes un homme. Vous avez très peur de récupérer, on peut dire, votre âme, parce que pour certains, bon, ben, il s'agit aussi de karma, de sanctions. Donc, j'ai plutôt, on peut dire, j'ai plutôt un dandy ou un rappeur, ou quelqu'un qui a peur par rapport à un contrat, je veux dire, de séparation, par rapport à un contrat d'infidélité. Voilà, alors je veux dire, là, il y a une triangulaire, hein, je veux dire, il y a au moins trois personnes.
Et dans la situation, une personne pense à ta place. Hein. Enfin, je veux dire, tu es peut-être dans les peurs. Alors, je vous dis, la peur est très mauvaise conseillère. Donc là, dans la situation, nous avons un homme aux yeux bleus. Hein. Bon, là, visiblement, on a une personne qui te jalouse ou qui te surveille. Si tu es un homme... Voilà, attendez. Et donc, on a un homme qui a les yeux marrons. Une personne que tu aimes pense à toi en ce moment. Voilà. Alors, c'est pas parce que la personne, elle pense à toi en ce moment qu'elle pense en bien. Hein. Attention. Hein. Donc, je suis quand même du côté du serpent ensuite, là. Pour les femmes... Bon, bah là, visiblement, sur un œuf de bâton, on peut dire il y a une bénédiction sur un enfant. Alors, dans mon tirage, il s'agit de la grâce du divin. Il peut s'agir, on peut dire, d'un homme ange aussi, qui peut, on peut dire, vous guider. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont été bloqués à la mairie ou dans une union charnelle et spirituelle. Voilà, c'est des gens peut-être qui se voyaient qu'en week-end. Hein. Et là, je veux dire, c'était une femme qui va découvrir un plan machiavélique. Hein. Donc, le plan machiavélique, si tu es une femme ou un homme féminin, il s'agit, on peut dire, de déplacement, de meeting et de rendez-vous. Hein. Bon, moi, je vous conseille plutôt de vous mettre en retrait par rapport à tout ça, par rapport à des... voilà. Par rapport à entreprendre, on peut dire quelque chose, hein, peut-être lors d'un week-end. Ensuite, hein, donc là, le 6 de coupe, hein, par rapport à une personne du passé, hein, c'est aussi le déplacement, le meeting, le rendez-vous, c'est par rapport à une perte de standing social. Ou je vous avais perdu de l'argent, ou vous avez perdu votre image sociale, votre image people. Donc là, il y a un homme, je veux dire, qui est beaucoup, on peut dire, dans la manipulation, qui ne voit pas du tout la chose arriver. Ouais, quelqu'un qui se bande les yeux, hein. Donc là, pour les hommes et pour les femmes, je veux dire, là, il va falloir voir les choses très claires par rapport à quelqu'un qui parle un double langage. Et c'est lié, on peut dire, à un homme, je veux dire, peut-être de l'étranger en automne. Donc c'était peut-être automne dernier. Ou je veux dire, si t'es un homme, je veux dire, il faudra faire attention en automne. C'est par rapport à un dandy ou par rapport à un rappeur. Et c'est par rapport à une séparation. Alors, c'était peut-être l'automne dernier, ou c'est parce que cette carte est inversée, ou c'est peut-être l'automne qui arrive. Bon, là, j'ai un homme, je veux dire, un roi de coupe, voilà, qui est surveillé, on peut dire, par une personne jalouse. Alors, vous pouvez être surveillé aussi par un autre homme. Et là, c'est un homme qui va sortir de l'impasse. Ouais. Un homme, je veux dire, autour de lui, on a pu tisser une toile d'araignée. Hein. Ouais. On a pu tisser, on peut dire, une toile d'araignée au printemps. Hein. Donc là, ce qu'il faut comprendre dans une situation qui est liée, on peut dire, à de la séparation... si vous êtes une femme, c'est un plan machiavélique, hein, par rapport à quelqu'un qui voulait entreprendre quelque chose. Hein. Vous étiez entouré de personnes qui avaient un double langage, mais moi, ce que je sens, c'est le plan machiavélique. Hein, je veux dire, tout était organisé. Hein. Alors, là, je veux dire, c'est... Moi, j'ai « La mort est une représentation du corps et non de l'esprit ». Donc là, pour les personnes qui répètent un problème karmique, hein, donc là, on peut dire qu'il va falloir changer vos pensées si vous voulez changer votre karma. Et je veux dire, l'aérosol, le truc qui vous pique les yeux, c'est par rapport à quelqu'un qui enfile des perles. Hein.
Alors, c'est votre ex. Ouais, c'est votre ex. Et je veux dire, sur un ex du passé, je veux dire, les mots ne viennent pas facilement pour une femme. Bon. Parce qu'il y avait beaucoup d'illusions, hein, beaucoup de. Voilà, y a plein de choses que vous ne savez pas, on peut dire, par rapport à un plan machiavélique, on peut dire sur vous, par rapport à de la manipulation, bah, voilà. Et donc là, vous allez apprendre quelque chose par rapport, on peut dire. Alors, ça peut être la pleine lune, hein, par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a le sens du geste. Hein. Alors, ça, c'est. Voilà, tu as des titres de noblesse ou tu as des qualités vertueuses. Donc on est sur la lune, donc on peut dire que c'est par rapport à de la communication. Voilà. Alors, je suis désolée, j'ai besoin de mettre pas mal de cartes parce que je fais des combinaisons après. Donc là, dans la situation, on peut dire pour un homme et une femme, c'est une expérience de vie. Hein. On peut dire que le vent se lève, un événement se rejoue. Hein. C'est plutôt à la campagne, hein, ou dans une maison. Et là, on peut dire par rapport à ça, bon, il y a quelqu'un qui va sortir de sa dette karmique. Hein. Tu vas sortir de ta dette karmique après une réconciliation. Voilà. Alors c'est peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui jouait la nourrice. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te réconcilies pas, je veux dire, avec un pervers narcissique. Hein, voilà. Parce que là, il y a beaucoup de gens. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un gros plan. Hein. Moi, c'est ce que je sens. Donc là, dans une infidélité, hein, ou dans une séparation d'union, on a une bénédiction, on a une reliance avec des défunts, donc par rapport à ta famille, hein, ou par rapport à un défunt, par rapport à Homo Angelus, un Sacré-Cœur, et c'est par rapport à un enfant aussi. Voilà. Et on peut dire que par rapport à ça, je veux dire, c'est de la chance. Voilà, si je puis dire, hein, parce que des fois, je veux dire, dans la matière, c'est pas de la chance, mais je veux dire, il faut comprendre que l'univers, lui, ce qui l'intéresse, c'est que vous puissiez, on peut dire, réceptionner qui vous êtes, hein, réceptionner votre âme. Voilà. Donc là, on est aussi, on a des gens qui sont en reliance, on peut dire, avec des défunts, et où, je veux dire, un homme avec des yeux bleus, hein, et c'est la rose, hein. Voilà, quelqu'un, je veux dire, qui peut être dans la farandole de l'amour. Hein. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui peut être coureur de jupons aussi. Hein. Voilà, quelqu'un qu'on a surveillé. Hein. Quelqu'un qui était très jaloux. C'est un homme. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a de l'argent, on peut dire. Un homme qui, voilà, qui surveille, on peut dire, un autre homme. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être très, très jaloux. Hein. Donc là, on peut dire il y a une femme pour deux hommes. On vous dit de ne pas aller n'importe où. Hein. Donc là, on peut dire sur quelqu'un qui arrive avec avec un petit projet, ça peut être, on peut dire, un nouveau soupirant. On vous dit que l'amour est non réciproque et donc voilà, quelqu'un qui est plus jeune, il faut que la personne passe à autre chose. Voilà, quelqu'un qui a pu se faire jeter, hein. Voilà. Dans la farandole de l'amour, hein, je veux dire, quelqu'un a perdu, on peut dire, l'amour qu'il aimait. Mais c'est une personne plus jeune que vous, là. Hein. Donc, le lien divin, l'union charnelle. Par rapport, on peut dire, à une femme, je veux dire, qui a perdu son abondance, hein, qui a perdu son argent, qui a perdu sa santé. Hein. Bon, bah là, visiblement, je ne sais pas, il y a des trucs avec des souvenirs d'enfance, hein, des photos de famille. Et donc, une partie de toi est toujours vivante. Hein. C'est ce que tu vas comprendre, on peut dire, un petit peu plus tard. Voilà.
Il y a toujours la bénédiction sur un enfant, hein, ou je veux dire, ou sur quelqu'un qui est défunt. Et il y a toujours la grâce du divin, hein, sur toi. Hein. Et ce qu'on te dit, c'est ce que tu vis, c'est une expérience de vie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et c'est pour ça que les femmes, là, aujourd'hui, il faut que tu prennes ton bâton. Hein. Je veux dire, il faut que tu coupes l'eau en deux. Hein. Faut que tu suives ta nature. Hein. Bon, y a des femmes, je veux dire, c'est des bulldozers. Hein. Je veux dire, c'est des grenadiers voltigeurs. Enfin, je sais pas, mais vous avez du caractère. Ben là, il faut y aller hein, pour entreprendre des choses. Hein. Faut pas rester en esclavage, je veux dire, sous la coupe de quelqu'un. Hein. Donc là, j'ai toujours Pékin, Hong Kong, d'accord, sur, on peut dire, voilà, quelqu'un qui te bloque sans explication, ou quelqu'un, je veux dire, voilà, qui te, ouais, c'est de la délation aussi, donc on t'a envoyé peut-être de la calomnie par rapport à des gens, je veux dire, qui ont des photos de famille. Et donc là, le plan machiavélique, c'est sur un week-end. C'est par rapport à une femme qui va bientôt rencontrer une personne qu'elle aime. C'est sur un déplacement. Et c'est par rapport à quelqu'un qui a le sens du geste. Et en réalité, c'est un plan machiavélique. Donc faites attention. N'allez pas n'importe où. Hein. Moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Par rapport à une personne qui a une perte de standing. Hein. Et donc, je veux dire, sur cette histoire-là de plan, si vous êtes une femme, là, il y a, on peut dire, un chaman de la lumière, de la grâce, de la chance et de la bénédiction. Voilà. On peut dire, dans un déplacement ou dans un voyage qui est protégé, je veux dire, le voyage, c'était le diable, hein. Voilà, donc là, on a une femme qui va bientôt rencontrer la personne qu'elle aime. Ok, allez, continue. Donc là, par rapport, on peut dire, à un homme ou une femme, ton corps dit ce que ta bouche tait, des gens qui ont peur de l'avenir. C'est par rapport à un bruit de couloir. Ouais. Alors pour d'autres, c'est par rapport à une chaise roulante. Hein. Ou pour d'autres, c'est par rapport à des entreprises, un bureau. Hein. Ou je veux dire, il y a des choses qui sont dans un tiroir, fermé avec une clé à double tour. Hein. Ça peut être ça, avec des souvenirs. Hein. Donc là, on peut dire par rapport à quelqu'un qui était beaucoup dans la manipulation, où vous vous êtes fait manipuler, parce que là, j'ai plus un homme. Hein. Ça peut être un homme vicieux aussi. Hein. Ou par rapport à un mauvais avocat, un mauvais conseiller. Là, je veux dire, tu t'es bandé les yeux. Et là, je veux dire, tu vas avoir les yeux qui piquent. Hein. Ça va faire mal. Hein. Parce que là, le vent se lève. Hein. Donc là, on peut dire, par rapport à un homme, bon, vous êtes en séparation. On vous dit que vous avez toutes vos chances. Parce qu'il y a une bénédiction, on peut dire, sur l'amour. Vous êtes en reliance, on peut dire, avec des défunts, avec le Sacré-Cœur de Jésus et avec un enfant. Donc, tu as toutes tes chances. Voilà, par rapport aussi, pour certains ou certaines, par rapport à un rappeur ou un dandy. Par rapport à des gens qui font de la musique. Donc là, pour un homme, bon ben... Si tu es un rappeur ou si tu fais de la musique, tu es dans une arène, c'est un piège. Voilà, là, visiblement, il faut fuir ou, je veux dire, il faut pas faire confiance à n'importe qui. C'est par rapport à une personne jalouse qui te surveille. C'est par rapport, on peut dire, à un amour déchiré qui prend l'eau. Il s'agit d'un homme qui regarde un autre homme. Alors l'homme, ça peut être aussi un rappeur.
Voilà. Donc quelqu'un va sortir de l'impasse, hein. Quelqu'un d'amoureux, un roi de coupe. Ceux qui te créent des ennuis sont tes amis. Voilà, c'est à cause de tes amis que tu as eu des problèmes. Ok. Ensuite, hein, pour une femme, la bénédiction sur un enfant, c'est par rapport à un homosexuel ou c'est par rapport à de l'homosexualité. Voilà, donc là, on peut dire qu'un secret va être divulgué. C'est par rapport à, si tu es une femme, c'est par rapport à un homme qui est homosexuel. Ça va être divulgué dans un déplacement, un meeting ou un rendez-vous, hein, ou ça peut être de la communication. Là, visiblement, on va placarder quelqu'un ou on va mettre quelqu'un dans un placard. C'est par rapport à l'Afrique du Sud ou c'est par rapport à l'Afrique du Nord, le Maroc et l'Algérie. Donc là, dans la situation, si vous êtes une femme, vous avez peut-être bloqué quelqu'un par rapport, on peut dire, à des calomnies ou de la délation, des gens qui sont plutôt en Asie. Et c'est par rapport à un déplacement, quelqu'un voulait se déplacer, on peut dire, en Afrique du Sud ou en Afrique du Nord, Maroc-Algérie, hein, moi c'est ce que j'ai. Ok. Parce que là, je veux dire, il y a eu un coup spécial, hein, l'aérosol. Hein, je veux dire, peut-être que tu as été agressé, je veux dire, avec des bombes lacrymogènes. Moi, c'est ce que j'ai. Mais ça peut être aussi, je veux dire, quelqu'un qui était très manipulateur. Hein. C'est un gros plan machiavélique. Et moi, si vous voulez, je sens que, en fait, c'est très lié parce que j'ai quand même la séparation de l'union. Donc. On peut dire qu'il y a des personnes qui se sont séparées, on peut dire peut-être de mariage, et c'était quelque chose, on peut dire, de machiavélique. Hein, c'est quelque chose qui a été organisé en réalité. Voilà. Ensuite, donc attendez, j'en suis où? Donc là, par rapport à une perte de standing social, donc là, tu vas recevoir une bénédiction. Hein, des gens qui sont beaucoup dans le peut-être le stand-up, le côté social, les images people et tout ça. Tu vas boire de l'eau et tu vas te purifier, on peut dire, le mental. Bon, là, c'est plutôt, on peut dire, par rapport à un homme, je veux dire, dans ta vie passée, qui était coureur de jupons, hein, un Casanova. Donc là, on peut dire que si tu rencontres une nouvelle personne, si tu es une femme, d'abord ton déplacement, il va être protégé. Et je veux dire, ça va complètement te transformer. Hein. Donc là, la personne qui vous a manipulé, homme ou femme, c'est un chaman si peu vertueux qui vit dans la luxure. Donc on peut dire que dans la situation, le roi de coupe inversé, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui t'a fait tourner dans tous les sens. Voilà, et c'est une expérience de vie parce que grâce à cela, on peut dire, grâce à toute cette manipulation ou un plan machiavélique lié, on peut dire, à des infidélités, hein, je veux dire, moi ce que je sens, c'est que c'est une femme en fait qui s'est fait crocheter. Pour qu'elle se sépare, on peut dire, de son mari, par exemple, hein, ça peut être ça, ou pour que tu te sépares, on peut dire, de ton copain, parce que j'ai quand même, si tu veux, le roi de denier, et tout ça a été organisé, en fait. Hein. Ouais, bon, là, dans la situation, j'ai un homme avec les yeux bleus, et dans l'autre sens, c'est un homme avec les yeux marrons, hein, qui manipule. Voilà, le roi de coupe, enfin la coupe c'est blond, hein, voilà. Donc c'est un homme qui peut être blond avec les yeux marrons ou blond avec les yeux bleus. Hein. Et c'est une personne qui s'est fait surveiller. Hein. Alors ça peut être aussi évidemment une femme, hein, une femme qui a les yeux bleus parce que tout est en miroir, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Et je veux dire, c'est venu de l'étranger et c'est venu, je veux dire, c'est venu en automne. Voilà, donc quelqu'un s'est senti piégé. Il s'agit plus particulièrement d'un homme ou, je veux dire, d'une femme avec des énergies masculines. Voilà, c'est
roi de bâton inversé. Bon, ben voilà, on peut dire que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup séduit. Hein. Je veux dire, la personne, si tu es une femme, la personne qui est venue, je veux dire, voilà, c'est une personne qui est très séductrice. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait passer pour ton âme sœur, quelqu'un qui voulait se marier avec toi. Mais en fait, ce que tu comprends, si tu veux, c'est que soit l'homme, il n'avait pas le niveau, hein, ok, parce que là, j'ai quand même un valet de denier, hein, soit, enfin, je veux dire, il y a des différences, on peut dire, sociales, financières ou culturelles. Hein. Et tu comprends aussi que c'était un amour, en fait, non réciproque. Voilà, si c'est quelqu'un qui est un coureur de jupons, parce que moi, j'ai la farandole de l'amour. Voilà, les courtisans, la mascarade. Hein. Donc, c'est vraiment, je veux dire, un plan spécial, là. Donc là, tu vas citer un homme par rapport, on peut dire, à des histoires de personnes voilà, qui se surveillent les uns les autres. Eh bien, tu vas avoir une grande progression professionnelle. Après, on peut dire, voilà, tu vas larguer tes amis parce qu'ils t'ont créé plein d'ennuis. Donc là, j'ai un homme, je veux dire, qui peut être plus jeune aussi, qui sort de l'impasse. Et ouais, vous sortez de votre toile d'araignée aussi, hein, et vous allez avoir une grande progression professionnelle où il s'agit de gains d'argent, si vous êtes un homme. Voilà, là, nous avons un engagement et un passage, on peut dire, avec un homme, je veux dire, qui est très dans les sentiments. Voilà, un homme qui peut laisser, on peut dire, ouais, là il y avait un engagement ou il y a un engagement et c'est par rapport à l'hérédité, hein, par rapport au sépulcre des ancêtres, hein, la nouvelle voie, hein, quelqu'un qui était beaucoup dans ses conditionnements. Hein. Il s'agit aussi de transmission. Hein. Donc là, ce qu'on peut dire dans une situation. Par rapport à un homme, il y avait un autre homme, on peut dire, qui vous surveille, donc qui vous surveillait. Parce qu'il faut penser que tous mes tirages, c'est un peu passé, présent, futur, hein, bien sûr. Et donc, c'était lié, on peut dire, à une transmission, à un engagement. Et c'était surtout lié, on peut dire, à votre arbre généalogique. Alors, vous êtes peut-être l'arbre aux 1000 écus, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'abondance. Et là, vous avez perdu votre abondance, on peut dire, par rapport à votre famille, hein, si vous êtes une femme, hein, aussi. Hein. Et là, enfin, je veux dire, là, de toute façon, il y a une bénédiction, si vous êtes une femme sur un enfant, par rapport à un homosexuel, parce qu'un secret va être divulgué. Moi, c'est ce que je sens. Il y a de la justice, on peut dire, dans tous les sens. Et là, on vous dit, homme ou femme, un défunt t'envoie un message. Voilà. Et en tout cas, aujourd'hui, vous allez sortir de votre déni de réalité. Voilà. Il y a un très gros rééquilibrage. Ok, donc je vais prendre mes paquets pour savoir, on peut dire, où tout le monde se trouve. Donc là, quand je dis la mort est une représentation du corps et non de l'esprit, ça veut dire qu'en fait, si vous êtes attaché, on peut dire, à la matérialité, eh bien, vous ne pouvez pas, on peut dire, vivre et vous ne pouvez pas, on peut dire, accueillir qui vous êtes. Et si vous êtes lié, on peut dire, à l'esprit, donc aux pensées, si vous développez, on peut dire, un corps de pensée, alors je sais que ce n'est pas évident à comprendre parce que. Le corps de pensée, si vous voulez, quand vous pensez, c'est comme une petite crème que vous vous mettez, on peut dire, sur tout le corps. Et plus vous avez de pensées positives, plus cette crème, on peut dire, est épaisse. Et c'est ça, on peut dire, qui vous permet de ne plus être dans la dualité du mental et de ne plus être dans la souffrance. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des pensées justes. C'est pour ça qu'il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup se cultiver, on peut dire, sur la connaissance de soi. Donc moi, je vous conseille, par exemple, les livres de Lise Bourbeau, par exemple, ou je vous conseille de regarder les vidéos de Muji, c'est M2OJI, qui est un gourou qui habite dans le Tamil Nadu, qui est lumineux d'intelligence, ou sinon, vous pouvez aussi regarder les vidéos
notamment sur les relations sentimentales, du rav Yehia Ben Chetrit. Voilà, c'est un rave, mais il est d'abord il est très drôle, et puis surtout c'est quelqu'un, je veux dire, qui va vous faire énormément avancer. Il y a beaucoup de gens qui se sont transformés, on peut dire, grâce à lui, tout simplement parce qu'il enseigne la Torah de façon, on peut dire, on va dire actuelle. Voilà, et donc même les gens, on peut dire, qui sont pas juifs, même les gens qui sont, je veux dire, d'autres cultures ou d'autres origines, eh bien vous pouvez écouter en tout cas ces vidéos, parce que c'est, ça va vous donner vraiment de grands éclaircissements. Alors, une personne qui répète un problème karmique, il s'agit, on peut dire, c'est par rapport à quelqu'un qui se rebiffe, hein, par rapport à une veuve en or. Ok, donc là, on peut dire que dans la situation, si vous êtes une femme, vous allez vous rebiffer, vous n'allez pas vous laisser faire, ok. Donc là, dans la situation, la reine de denier, on vous demande de prendre les choses en main, ok. Voilà, de prendre vos responsabilités, enfin, je veux dire, d'aller au charbon, de mettre les mains dans, dans le cambouis. Donc, l'aérosol, on peut dire une personne, je veux dire, qui vous a fait pleurer, hein, voilà, une personne, visiblement, c'était pas ça, il enfilait des perles, hein, il vous racontait des trucs, je veux dire, qui étaient un peu faux. Bon, et je peux vous dire que c'est dur d'en parler, hein. Donc là, c'est par rapport au Bolshoï, les pointes, les danses, la danse. Hein. Ah, c'est par rapport à des gens, je veux dire, c'est le Bolshoï, hein, leur vie. Hein. Voilà, la danse, flash dance, les pointes, le Bolshoï. Alors, vous connaissiez peut-être quelqu'un qui est un ancien danseur, hein, c'est possible. Hein. Voilà, alors ensuite, hein, quelqu'un qui a peut-être mal aux genoux, hein, 18. Hein. Donc, sur les illusions, le plan machiavélique. Hein. Bon, bah là, visiblement, dans une situation, on va avoir un mauvais timing, où, je veux dire, il y a eu un aller-retour pour zéro salaire. Bon, des gens qui sont restés longtemps dans l'attente, il s'agit plutôt des gens, je veux dire, qui sont à Hong Kong. Voilà, et ça, c'est dans le passé. Des gens, je veux dire, qui sont restés dans l'attente, hein. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une personne qui a eu le sens du geste. Voilà, il faut défendre la cause, mes amis. Tu as des titres de noblesse ou tu as des qualités vertueuses. Voilà. Ensuite, le vent se lève pour un homme ou une femme. Voilà, quelque chose qui se rejoue, un problème karmique. Et c'est par rapport à une maison de campagne, hein, toujours, hein, moi j'ai toujours des bâtiments. Et donc, bah, l'expérience de ta vie, tu vas comprendre que tu as un but à atteindre. Et il s'agit de stratégie militaire, hein, pour arriver au sommet. Hein. Là, le vent se lève, hein, y a des gens qui vont plus laisser faire. Hein. Si vous êtes une femme, je veux dire, prenez les choses en main, là. Hein. Je veux dire, là, il faut se rebiffer. Hein. Allez. Donc après, sur une séparation, donc là, il y a une bénédiction, on peut dire, en reliance avec des défunts. Donc dans une situation, tu as toutes tes chances si tu es un homme, par rapport à, aussi à une femme. Ok ? Ouais, c'est ça. Et donc, tu as toutes tes chances aussi, enfin, je veux dire... Bon, là, là, visiblement, je veux dire, dans le passé, il y avait un manuscrit chinois, un artiste ou un peintre. Bon, quelque chose, visiblement, qui est très difficile à déchiffrer. Enfin, je sais pas, il y a un truc, là. Ensuite, sur un homme aux yeux bleus, hein, la farandole de l'amour, un coureur de jupons, hein, voilà. Donc là, on avait toujours un dodo caché et les confessions d'un barjo, hein. Donc là, si vous voulez, du côté des hommes, je veux dire, je suis ton moi supérieur. Bon, là, il y a quelqu'un qui va rentrer en confession. Voilà, donc là, on peut dire que vous allez recevoir des messages, on peut dire, d'une autre personne, visiblement de votre... peut-être de votre famille, en tout cas un homme, ouais, ou d'un ami, un homme qui a les yeux bleus, hein.
Voilà, les confessions d'un barjot, hein, je veux dire, un mec qui était spécial, hein, voilà, peut-être. Hein. Et j'ai aussi un homme, là en ce moment, psychologiquement, ça va pas bien. Quelqu'un de très jaloux, hein. Une personne jalouse te surveille, hein. Moi j'ai que des hommes là par contre, hein. C'est pas des femmes, hein, qui surveillent. Là il y a un homme, je veux dire, il est surveillé, hein. Et c'est par rapport peut-être, quelqu'un qui s'est fait jeter, hein. Tu t'es fait jeter, il n'y a pas de place pour toi, hein. Et donc c'est aussi toujours dans le passé par une étude ADN. Voilà, ça peut être ça, ou je veux dire, quelqu'un qui voulait se faire bronzer au soleil, je veux dire, sur la tête de quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. Hein. Allez, on continue. Donc là, la mairie, pour certains, ça va être le pilier de Saint-Sulpice, hein, Paul Claudel. Bon, c'est peut-être aussi le pain dur, on peut dire, ou quelque chose de dur. Sur des photos de famille, hein, le grenier, la ferme, je veux dire, les choses du passé. Et donc là, visiblement, on a une femme qui revient sur une amitié, on peut dire, étonnante, avec une personne très différente de vous. Il peut s'agir d'une personne aussi d'Asie, hein, puisque j'ai Hong Kong ou Pékin à côté. Et là, enfin, je veux dire, ça va être la grosse révélation, hein, soit pour une veuve en or, soit pour une femme qui se rebiffe. Hein. Ouais, là, je sais pas, il y a... Là, tu vas comprendre, on peut dire, soit il y a eu des calomnies, de la délation, un truc pas net... Hein. Il n'y avait pas vraiment d'explication, où tu as compris un truc et c'était pas ça. Et donc c'est une femme qui pensait qu'une autre femme était avec un homme pour son argent et ses beaux draps. Et là, tu comprends que tu t'es trompée, on peut dire. Voilà. Voilà, parce que là, tu vas aller à Saint-Sulpice. Là je veux dire, tu es une femme, tu vas recevoir la lumière. Donc, je vous le répète, si vous avez à vous déplacer un week-end, ou ça peut être un voyage pour aller rencontrer, on peut dire, quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu aimes, hein, voilà, n'y va pas. N'y va pas. Voilà, n'y va pas. C'est un plan. C'est un plan machiavélique. Hein. C'est toujours par rapport à des Asiatiques. Hein. Des gens, je veux dire, qui ne peuvent plus attendre. Hein. Des gens qui en ont marre de faire des allers-retours pour zéro. Et là, je veux dire, il ne faut pas dépasser la ligne verte. Donc, je veux dire, si tu as déplacé, n'y va pas. Voilà, je le dis, c'est pour une femme. Surtout, hein. Là, il y a des gros problèmes. Hein. Ouais, c'est par rapport à Eurosoccer, mais je l'ai inversé. Hein. Donc, c'est par rapport, on peut dire, soccer, hein. Quelqu'un qui est... voilà. Écoutez, c'est par rapport à un voyage aussi, ou je sais pas, c'est par rapport à des déplacements. Là, il faut pas y aller. Voilà. Des gens qui sont en réalité peut-être dans... Voilà, un peu prostituées, un peu, je sais pas, un peu artistes. Des gens qui ne sont pas dans la réussite et des gens qui ne sont pas dans le succès. Voilà, donc si tu dois rencontrer la personne que tu aimes, je veux dire, n'y va pas. Il ne faut pas y aller. Voilà, je l'ai dit. Hein. Non, surtout pas. Hein. Là, il y a quelque chose qui est pas net, du tout. Donc, là, nous avons la force inversée. Hein. Un bruit de couloir. Hein. J'ai toujours les tribulations d'un chinois en Chine, pourtant j'ai beaucoup de cartes. Hein. Donc là, mes amis, il faut pas, voilà, il faut pas y aller. Hein, si c'est votre ex qui revient, il faut pas y aller. Voilà, hein, je veux dire, c'est assez clair. Ensuite, sur le valet de bâton. Bon, le valet de bâton qui arrive là, je veux dire, alors là, on est dans la musique.
Là, visiblement, j'ai aussi un dandy. Tu es un César entouré de sénateurs qui veulent ta mort. Bon, là, c'était plutôt dans le passé. Ouais, j'ai un rappeur. Et donc là, je veux dire, c'est pas la pêche. Hein. C'est pas la pêche pour un dandy ou un rappeur. Hein. Le chant des guitares, hein, les veillées, les enterrements, je veux dire, c'est inour aussi, mais enfin, bon, je veux dire, on chante mal, là. C'est pas terrible. Hein. Ouais. Ah, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a. J'ai plein de cartes, je veux dire, sur l'Asie. Hein. Donc, quelqu'un qui va sortir de l'impasse. Donc, c'est quelqu'un, on peut dire, peut-être que tu... Ouais, c'est 100 000 dollars au soleil sur mes lèvres. Alors, c'est peut-être quelqu'un, on peut dire, qui t'a fait croire ça. Ou, je veux dire, c'est un truc qui va arriver. Ou c'est un homme qui va te raconter, je veux dire... Attendez, il faut que je regarde. Excusez-moi. Ouais, c'est... alors, bon, c'est un roi de coupe, donc c'est quelqu'un qui arrive vraiment. C'est par rapport au sépulcre des ancêtres. Alors, je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc pour certains, pour sortir de l'impasse, une grande progression. C'est une histoire de transmission ou de notaire. Et je veux dire, il y a 100 000 dollars au soleil. Quelque part. Il y a de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est pour une personne qui est beaucoup dans ses conditionnements. Hein. Alors, hier, j'avais la réserve aussi. Donc, dans la situation, la personne jalouse, l'amour déchiré qui prend l'eau, c'est un homme. Ok, quelqu'un qui te surveille. Bon, là j'ai que des hommes, hein, donc on peut dire que des hommes surveillent d'autres hommes. Bon, c'est quelqu'un qui peut s'habiller, je veux dire, le foulard, les années 60. Ou, je veux dire, c'est tes amis hein, autour de toi. Et je veux dire, bon, il y a quelqu'un qui sort de l'impasse. C'est l'archer et le violon qui inventent une nouvelle symphonie, un chef d'orchestre. Et visiblement, pour un chef d'orchestre, quelqu'un qui va inventer une nouvelle symphonie, je veux dire, ça va être 100 000 dollars au soleil. Tu vas sortir de l'impasse si tu es un homme, par rapport à un amour déchiré qui prend l'eau. Hein. Ou par rapport à une personne, un autre homme, je veux dire, qui est un peu fou. Enfin, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Donc là, visiblement, bon, ça va arriver plus tard, après l'été. Bon, il y a... Ouais, il y a un homme, je veux dire, je sais pas, il est bloqué, ou je veux dire, après l'été, où il y a peut-être un déménagement, mais plus tard... Ouais, c'est un peu ça, mais c'est plus tard. Là, pour l'instant, je vous dis, il ne faut pas trop bouger, là, visiblement. Bon, là, il y a des gens qui vont prendre de vraies résolutions. Ouais, il y a des gens qui vont peut-être... Enfin, vous êtes peut-être en mauvaise santé ou... voilà, où vous avez reçu, on peut dire, des nouvelles, je veux dire, qui sont peut-être un mauvais présage pour vous. Voilà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, un défunt t'envoie un message. Voilà, je suis ton moi supérieur et il y a quelqu'un, hein, c'est plutôt un homme, je veux dire, il va faire fuir un serpent. Enfin, je sais pas, moi j'ai plusieurs hommes là. Hein. Là, ça se bat du côté des hommes, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je vais en tirer 3-4 en plus. Ok. Bon, là, les serpents, c'est peut-être aussi les prostituées. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça aussi. Voilà, ou des gens qui vous mettent plein d'idées dans la tête, qui vous racontent... Là, je veux dire, c'est un gros plan, hein, du côté des femmes. Bon, là, il y a quelqu'un qui va rebondir par rapport au plateau télé. Hein. T'étais tombé dans le caniveau, mais là, je veux dire, ça va remonter. Ok. Si tu es un homme... les femmes, la veuve en or. Bon là, visiblement, pour une femme, je veux dire, qui s'est fait gaver, on peut dire, par un homme. Bon là, tu vas te rebiffer, la veuve en or, là.
Et je veux dire, c'est par rapport à la terre. Ok. Et bon, pour une femme, je veux dire, l'orateur qui enfilait des perles, là, qui vous racontait des salades, peut-être un danseur, hein, je veux dire, ou des gens qui ont des problèmes avec leurs jambes, là, ça va être la grosse facture des émotions, hein, mais là, tu vas prendre tout en main. Hein. Là, il faut tout reprendre en main. Hein, c'est vraiment, c'est important. Il faut sortir, je veux dire, de la soumission, je veux dire, à des pervers narcissiques, à des conditionnements, vous comprenez? Donc, le plan machiavélique, le mauvais timing, là, je veux dire, une histoire d'aller-retour pour zéro salaire sur des gens qui ont des titres ou qui ont des qualités vertueuses. Le plan machiavélique, c'est par rapport à un badge, un tag, un hashtag, un écusson ou un logo. Des gens qui peuvent faire votre pub ou des gens qui peuvent utiliser, on peut dire, des badges pour venir. Alors les badges, c'est plutôt dans les bureaux, hein, voilà. Ok. Mais là, je veux dire, là, il ne faut pas se déplacer. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Bon, là, visiblement, sur un déplacement, je veux dire, ça va être la grosse drache hein, pour les bolosses. Ouais, et là, c'est maintenant. Hein, des gens, je veux dire, qui sont un peu comme des suckers. La grosse drache. Hein. Là, visiblement, il y a une femme, je veux dire, tu vas être la reine, hein, tu vas te faire belle. Hein, et les gens, ils vont comprendre. Hein. Ok? Donc, l'histoire du plan, là, c'était pour pas que vous regardiez quelque chose si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Don't look up, ne regarde pas, il s'agit d'un contrat. Donc là, ce que je comprends, c'est que dans une histoire, on peut dire de plan machiavélique, je veux dire, c'était un contrat. Et c'est directement lié à une séparation ou des gens, je veux dire, un peu infidèles. Voilà. Ça, c'est pour une femme. Hein. Bon, moi, j'ai la veuve en or, hein, mais voilà quoi. Allez. Bon. Ouais, c'est ça, c'est. Bon, écoutez, c'est un plan, je veux dire, avec des geishas, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, donc là, on peut dire qu'on a peut-être crocheté, je veux dire, la personne que vous aimiez, je veux dire, avec des prostituées. Voilà, des gens qui pratiquent, on peut dire, des activités naturelles ou des produits bio ou des produits véganes dans la situation. Donc là, visiblement, dans une situation où en tout cas un défunt t'envoie un message, c'est que visiblement, il faut que tu surveilles ton paillasson. Et parce que les gens, je veux dire, sont très jaloux peut-être autour de toi ou je veux dire. Ce qui arrive, c'est pas un cadeau, hein. On peut dire que c'est plutôt un mauvais présage là, sur des nouvelles, des choses qui sont. Moi, c'est ce que je sens. C'est pas, voilà, c'est une sanction pour, on peut dire, des gens, voilà. Et c'est une compréhension, hein, par rapport, on peut dire, à des gens autour de vous, je veux dire qui vous bloquent, je veux dire qui. Voilà, vous étiez peut-être paxé, marié, je veux dire, avec quelqu'un, et je veux dire, ça a périclité parce qu'en fait, c'est un problème karmique que vous rejouez si vous êtes une femme. Ou je veux dire, plus spécifiquement, enfin, je veux dire, c'est un plan machiavélique. Évidemment, ce n'est pas un plan machiavélique pour tout le monde, hein, je le répète. Bon, c'est. Voilà. Mais là. Allez. Par rapport, on peut dire, un problème karmique que tu rejoues pour la reine de denier.
Bon, bah, je veux dire, tu fais des spécialités françaises, ou en tout cas, tu vas faire des spécialités françaises, une commerçante, ok? Le bœuf bourguignon, la pizza, le cassoulet, la paella, tu vas faire tout ça. Surtout si tu es d'origine d'Afrique du Sud ou d'Afrique du Nord. Ensuite, le cadre de coupe. Hein. Bon, le cadre de coupe, visiblement, je veux dire, sur la facture, sur les émotions, nous avons le phare de Cordouan. Là, visiblement, il y a des choses qui vont être, on peut dire, regardées de loin, hein, bien sûr. Voilà. Là, je veux dire, dans un déplacement, t'y vas pas. Et t'as raison, ok? Pour une femme, hein, surtout si c'est ton ex, hein, qui revient. Hein. Parce que là, je veux dire, ça va pas être ça. Hein. Alors, ensuite, hein, donc, des gens qui ont des tags, des écussons, tout ça. Voilà, des gens, je veux dire, qui peuvent avoir le plan, enfin, un plan machiavélique, hein, mais c'est pas pour tout le monde, je le répète. Voilà, donc là, visiblement, dans une situation, une femme a le sens du geste. Et donc, on peut dire que dans la situation, tu es entourée, on peut dire, de Lascar ou des bisons de la grotte de Lascaux. Enfin, je veux dire... C'est voilà, des hommes préhistoriques hein, qui t'entourent. Hein, si tu es une femme, hein, méfie-toi. Allez, ensuite. Hein, donc, l'expérience de vie, hein, Don't Look Up, hein, The Contract. Hein, bon, bah là, visiblement, ça concerne des hôpitaux. Voilà. Quelqu'un qui a une stratégie militaire. Hein, le vent se lève. Hein, donc, quelqu'un qui sort de sa dette karmique, je veux dire, t'es à l'hôpital. Hein. Ouais, je veux dire, tu es en train de faire des examens de santé, voilà. Donc là, tu es sorti de ta date karmique, c'est ton expérience de vie. Par rapport à quelqu'un, je veux dire, qui avait un double langage, hein, c'est une illumination. Je veux dire, tu vas complètement te transformer, que tu sois un homme ou une femme, ok? Par rapport à des gens qui se sont fait jeter aussi, hein. Alors ensuite, hein, bon, sur, on va dire, le mauvais parfum Mitsuko... Hein, et sur l'infidélité, la séparation, voilà, bénédiction et reliance toujours avec les défunts, parce que c'est incroyable, hein, c'est ça, et c'est par rapport pour un homme, de la porcelaine est fabriquée avec de la terre, donc là ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est qu'il y a des gens qui font des choses qui sont extrêmement raffinées avec de la terre, voilà, donc visiblement... tu peux être une porcelaine, hein, ou je veux dire, on a brisé un mariage, je veux dire, c'était de la porcelaine, hein, enfin, je veux dire, c'était un truc très raffiné, très subtil, voilà. Et là, visiblement, je veux dire, pour un homme qui est de la porcelaine, je veux dire, on t'a collé dans les bras des geishas, c'était peut-être pas ça. Ensuite, 10 de bâton, pardon. Donc là, j'ai toujours un dodo caché. Bon, là, visiblement, c'est des gens qui font du camembert. Hein. Ouais, je veux dire, voilà, on va dire des produits laitiers, des produits de la ferme. Donc là, visiblement, on peut dire que sur le camembert, ça s'arrête. Voilà, des gens qui veulent faire du camembert carré, rond ou triangulaire. Peut-être que c'était aussi vos relations sentimentales, c'était peut-être aussi un peu, je veux dire, des quartiers de camembert. Hein. Donc là, nous avons toujours un bouquetin, une bête à cornes. Voilà, donc c'est par rapport à une personne qui te surveille, ou je veux dire, ça peut être aussi quelqu'un qui est plus jeune. Voilà, voilà, dans un amour réciproque, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose. Voilà, quelqu'un, je veux dire, qui te rentre dedans. Enfin, c'est un homme, hein, si tu es une femme. Hein. Quelqu'un qui te rentre dedans avec ses cornes. Hein, je veux dire. Alors, ensuite, dans les spécialités françaises, hein, pour une reine de denier, hein, quelqu'un, je veux dire, qui va trouver la voie à Saint-Sulpice. Hein. Voilà, tu vas trouver ton abondance à Saint-Sulpice. Hein, ou c'est. Là, c'est dur, c'est par rapport à des photos de famille. Hein. Bon, là, visiblement, bah, tu vas faire du bon pain au pilier de Saint-Sulpice, avec Paul Claudel. Voilà, tu vas gagner une médaille. Donc, si tu as des problèmes financiers,
si tu te fais un cours de lumière, si tu travailles sur toi, sur tes dépendances, sur tes conditionnements, enfin, je veux dire, tu vas te sortir de tes dettes, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et c'est par rapport à un homosexuel. Voilà. Bon, là, il y a une bénédiction sur un enfant parce qu'on veut divulguer un secret aussi. Alors, ça peut être un homme qui est homosexuel aussi, qui a des enfants. C'est possible. Voilà. Donc là, tu vas comprendre quelque chose et peut-être que, je veux dire, tu vas comprendre que tu étais aussi dans tes dépendances, peut-être ta jalousie ou ton orgueil, ok ? Alors quand je dis ça, je veux dire, moi, je juge personne, hein. Je dis simplement les choses. Hein. Donc là, on peut dire que sur l'aérosol, enfin, je veux dire, quelqu'un qui enfilait des perles, quelqu'un, je veux dire, qui était une vigie, hein, je veux dire, qui voit les... Quelqu'un qui regardait les choses de loin, hein, c'est ton karma. Bon, ben là, je veux dire, le mec, c'était pas un bateau de course, hein, c'était plutôt un chalutier ou un bateau de pêche. Ok. Donc là, tu t'es trompé, en fait, tu t'es fait embarquer, tu t'es fait hameçonner. Voilà. Et ensuite, j'ai sur, je veux dire, des gens qui ont le sens du geste par rapport à un plan machiavélique ou des gens qui vont défendre leur cause. Hein. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à la ville du Havre. Donc c'est par rapport à la Manche. Donc on peut dire que dans une situation, je veux dire, t'as quelque chose dans la Manche. Ou une personne, si t'es une femme en face de toi, ça peut être un homme, ça peut être ton ex, enfin je veux dire, il a quelque chose dans la manche, donc je veux dire, lui, ce qu'il veut, c'est jouer sa carte, hein, ok. Et c'est quelqu'un qui va jouer du violon aussi, je veux dire, dans un week-end, dans une échappée, je veux dire, tu vas être obligé de te déplacer, hein, je veux dire, attends, you're a sucker, hein. Là, alors là, et surtout là, il ne faut pas se déplacer, hein, je le répète pour les femmes, hein, ok ? Voilà, parce que là, il y a un truc que tu ne vois pas, et c'est quelqu'un qui a quelque chose dans sa manche, hein, si tu es une femme, hein, ok ? Quelqu'un qui peut, on peut dire, te mettre, on peut dire, dans des systèmes de croyances, de manipulation, qui peut beaucoup te parler. Donc là, j'ai l'Afrique du Sud et, je veux dire, l'Afrique du Nord, ok ? Donc là, il ne faut pas se déplacer. Il ne faut pas aller n'importe où. Hein. Donc là, dans la situation pour un homme ou pour une femme, bon bah, avec l'hôpital, bon bah, tu n'es plus en éruption. Ou tu n'es plus en ébullition. Ou voilà, tu vas te détendre. Okay, voilà, ça peut être, je veux dire, un endroit, voilà, un institut de beauté aussi. Enfin, des trucs comme ça. Hein. Donc, la porcelaine qui est fabriquée avec la terre, je veux dire, c'est le mouton. Donc, le mouton, je veux dire, qui était embarqué dans des histoires de geisha. Voilà, quelqu'un qu'on a, on peut dire, hameçonné, bloqué. Voilà, ok. Donc, c'est un mouton par rapport à des rappeurs, hein. Ok, allez. Bon, là, dans une situation... Alors, attendez, parce que là, je veux dire... Là, on est sur un 10 de bâton, sur un dodo caché, quelqu'un qui fait du camembert aussi. Je veux dire, c'est... Là, je veux dire, c'est quelqu'un qui porte sa maison sur, je veux dire, son dos. Et donc, tu vas être l'escargot de Bourgogne ou l'escargot de Garonne. Bon, ça va être la Bourgogne pour certains, on peut dire. Bon, c'est toujours par rapport à des gens qui sont jaloux, hein, mais là, c'est entre hommes. Hein. Voilà. Donc là, nous avons... donc là, dans une situation, enfin, je veux dire, il y a un gros blocage. Là, je veux dire, il y a des gens qui ne se déplacent plus, il y a un homme qui ne se déplace plus. Hein. Ouais. Quelqu'un qui doit retourner à la case départ. Hein. Je veux dire, il n'y a plus de train, il n'y a plus d'avion. Je veux dire, ta copine, elle ne veut plus te voir. Et c'est par rapport à Paris. Hein, ou c'est par rapport aussi à une Parisienne. Hein. C'est possible. Hein. Et je veux dire... et donc, en dos, nous avons le cochon de lait. Hein, voilà, comme chez nous en Corse.
Ouais, le cochon de lait. Alors, pour d'autres, je veux dire, la résolution, ça va d'être un peu comme un sanglier, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Là, visiblement, il faut se rebeller. Je veux dire, il faut pas se laisser faire, hein, du tout. Ok. Donc voilà. Alors je sais pas quelle heure. Bon, je vais tirer, je veux dire, deux cartes de karma. Ok. Donc, si vous êtes une femme, vous avez des personnes qui ne savent pas qui ils sont autour de vous. Je veux dire, il faut prendre les choses en main là. Là, il faut se rebiffer, il faut se rebeller. Voilà, il faut pas se laisser aller. Je veux dire, il faut que tu prennes des résolutions aussi pour ta santé. Et je veux dire, voilà, par rapport à ce que je dis, bon, ça peut être aussi un mauvais présage. Hein. Donc, par rapport à une reine de deniers. Hein, bon, là visiblement il y a un homme qui te fait tourner en bourrique. C'est oui ou bien c'est non. Hein. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais, demain tu me feras marcher. Je vais devoir t'oublier. Pourquoi tes je t'aime comptent plus que ceux des autres. Bon ben là visiblement pour certaines vous allez oublier un homme. Je veux dire au pilier de Saint-Sulpice. Hein. Voilà, des gens qui t'ont bloqué. Voilà, des gens qui t'ont peut-être aussi calomnié. Voilà, c'est par rapport à l'Afrique aussi. Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Afrique du Sud. Par rapport aussi à la campagne, par rapport au déplacement, voilà. Par rapport à un week-end. Allez. Ensuite, bon, bah là, visiblement, il y a quelqu'un qui était KO, hein, une femme, qui avait pris un homme, je veux dire, pour un chalutier. Bon, quelqu'un qui t'a vraiment mis KO, hein. Et donc là, tu vas, parce que cette carte est inversée, donc tu vas sortir, on peut dire, d'une situation. Voilà. Alors voilà, c'est des gens, on peut dire, qu'on a mis très bas, descendus des plateaux de Folon, poussés en bas par des plus beaux, des plus grands, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Est-ce que tu laisseras encore ta main posée comme ça? Donc là, visiblement. Bon, là, visiblement, tu quittes quelqu'un. Hein. Bon, quelqu'un qui pouvait te surveiller aussi. Hein, ou, je veux dire, si tu es une femme, tu es une vigie. Hein. Allez, je continue. Alors là, il y a quand même une femme qui veut peut-être divulguer aussi un secret. Hein. Voilà. Mais bon, je veux dire, avec ce que tu reçois, tu vas comprendre que c'est peut-être pas la bonne solution. Ou c'est par rapport à un homosexuel, ou ça peut être aussi évidemment entre un homosexuel ou un enfant, ou l'homosexualité peut-être d'un jeune homme. Donc le plan machiavélique, hein, eh ben tu vas me manquer, hein, dit Maître Gims. Tout me semble faux, j'en perds mes mots, je garde espoir de te revoir. Tu vas me manquer, ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, que tu sors de ma mémoire, tu disparais. Bon, bah là, visiblement, ça va être la grosse drache, on peut dire, pour un homme, hein, par rapport à une femme, parce que vous comprenez que vous avez été, on peut dire, embarqué dans un plan machiavélique pour certains et certaines. Et je vous dis, si vous avez un ex qui revienne, il ne faut pas aller au rendez-vous, hein, parce que là, ça sent très mauvais. Hein, je le dis carrément. Hein. Pas d'avion, pas de bateau, pas de voiture, pas de vélo. Hein. Je veux dire, l'échappée belle, je veux dire, tu te la gardes, ok? Et je peux vous dire que c'est voilà, c'est un mauvais présage. Hein. C'est ça qui. Après, ça ne correspondra peut-être pas à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, bien sûr. Donc je vous dis, tout ce que je dis, c'est très précis, c'est fait exprès, mais je veux dire, ayez du discernement aussi. Bon, à côté du Maître Gims, voilà, tu vas me manquer, quelqu'un qui va jouer du violon. J'ai les tribulations d'un Chinois en Chine. Donc là, visiblement, un homme veut sauver l'amour. Ok, bon, cette carte est à l'envers, hein, donc bon, il veut sauver l'amour, mais pas, peut-être pas avec les sentiments. Voilà, quelqu'un qui veut effacer, on peut dire sur le Gange, la douleur, pour voir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur, d'un homme qui voudrait trouver au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir un jour un monde meilleur. Cette carte est inversée, donc évidemment, c'est pas très positif, hein, c'est plutôt quelqu'un qui vous manipule en vous racontant de beaux mots. Ça peut être aussi un homme, mais ça peut être aussi une femme.
une femme, je veux dire, qui est en train de faire des examens, hein, par rapport à quelqu'un, je veux dire, qui lui a mal parlé. Ok, aussi. Vous savez, les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Bon, le rappeur, là, c'est Bohemian Rhapsody. Quelqu'un qui joue de la musique. Ou le dandy, hein, parce que j'ai les deux. Donc là, nous avons, on peut dire, un homme, hein, je veux dire, qui est un mouton. Je veux dire, le mec, c'est de la porcelaine. Hein, il ne faut pas trop le toucher, sinon, voilà. Enfin, bon, c'est une situation, on peut dire, qui est très... voilà, qui est très déstabilisante. Moi, c'est ce que je sens. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui... ouais, quelqu'un qui ne voulait pas naître. Ou, je veux dire... voilà, quelqu'un, je veux dire, qui pense qu'il est arrivé au bout de sa vie. Hein, Bohemian Rhapsody, c'est ça. Hein. Donc, après, quelqu'un qui va porter sa maison sur sa tête, hein, un petit mouton, ou quelqu'un qui fait du camembert, hein, carré, rond, triangle, voilà, toujours un homme. Donc là, visiblement, bon, bah, c'est quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Tu vas retourner à la case départ parce que, je veux dire, tu ne peux pas te déplacer. C'est par rapport à quelqu'un qui te jalouse ou te surveille. Voilà, un amour déchiré qui prend l'eau, on peut dire. Bon, là, j'ai deux hommes. Voilà, quelqu'un qui va sortir de l'impasse. Grosse progression professionnelle. Un gros passage, un gros engagement, on peut dire. Et je veux dire, ça va être 100 000 dollars sur tes lèvres. Ouais, c'est ça. Demain nous appartient. Il y a des gens qui peuvent être des Parisiens ou des Parisiennes, hein, aussi. Donc, je crois en quelque chose quelque part. C'est sûr, il y a autre chose. Over the rainbow. Tu voudrais que je t'emmène dans mes vies martiennes. Bon, tu vas sortir de l'impasse parce qu'il y a quelque chose quelque part. Voilà. Et c'est pas forcément de la matérialité. Hein. Je veux dire... voilà. Et c'est un défunt qui t'envoie un message. Hein. Alors, ça peut être ta mère, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ton père, ton grand-père, ça peut être un membre de ta famille. Et là, on va sortir, hein, puisque cette carte est inversée, et on va finir là-dessus. Voilà, bon, donc on peut dire que les mecs bidons, les mecs afrimes, ou je veux dire les femmes afrimes, hein, bon, bah, tout ça, le bidon, là, visiblement, je veux dire, on n'en veut plus. Voilà, c'est des gens, on peut dire, qui faisaient croire voilà, qu'ils avaient des choses. Voilà, je veux dire, administrateurs ou des gens qui passent à la télé. Donc là, je veux dire, on ne va plus vouloir être, on peut dire, avec des gens, on peut dire, bidons, tout simplement. Ou si vous êtes une femme, je veux dire, le mec, il vous a tellement enfilé de perles, je veux dire, vous avez un collier de 3 rangs comme votre grand-mère. Voilà, bon, il y a quelqu'un, visiblement, qui va aimer une personne à mourir. Hein. Là, là, visiblement, quand tu vas rencontrer une femme, je veux dire, il faudra juste que tu t'assoies. Il ne faudra pas que tu parles. Il ne faudra rien vouloir. Il faudra juste essayer de lui appartenir. Voilà. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Il n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Alors, méfiez-vous parce que c'est quelqu'un qui peut aussi arriver et puis vous raconter. Voilà. Parce que moi, j'ai le mec bidon et je l'aime à mourir. Hein, donc, là, ce n'est pas évident de choisir. Après, j'ai deux rois. Hein, donc il y a un homme, je veux dire, c'est un mec bidon, un mec affri, mais j'ai un homme, on peut dire, qui aime une personne, je veux dire, à mourir. Et je veux dire, on va, voilà, il y a une personne qui a des regrets par rapport, on peut dire, à des membres de sa famille décédés. Hein. Donc on te dit, n'aie pas de regrets, fais-moi confiance. Et pense à tous les Noël, l'indifférence des sens, n'aie pas de regrets. Fais la promesse, tu sais, l'hiver et l'automne n'ont plus s'aimer. Debout, la tête ivre de rêves suspendus, bois à nos amours infirmes. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et donc, voilà, qu'elle vous a éclairé, on peut dire, sur certaines de vos situations. Voilà, je vous demande d'avoir du discernement, évidemment, parce que même en quantique, tout est écrasé. Donc, puis je fais très vite, on peut dire, dans... voilà, je tire beaucoup de cartes et tout ça, c'est fait exprès aussi. Mais bon, parfois, je peux évidemment passer sur quelque chose qui peut être important. Voilà, et donc, voilà, je fais vraiment tout ce que je peux, en tout cas, pour que vous ayez, on peut dire, de la compréhension. Bon, bah, je vous remercie, passez une bonne journée, prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.